Comment vous avez appris la gestion des arbres? À la base, on est sur une zone où on a énormément de haies, on a eu énormément de fruitiers, on a toujours eu des fruitiers sur l'exploitation, donc on n'a jamais perdu cet aspect de conduite. Après, bon, on a fait quand même pas mal de formations, on va dire plutôt orientées fruitiers, ce qui permet, on va dire, de savoir aussi, enfin, d'avoir la connaissance du type de conduite, aussi bien en forestier. Hein. C'est différent, mais on a quand même la base qui est là, quoi. De toute façon, apprentissage, on va plutôt parler de conseils. Il ne faut pas hésiter à se renseigner sur ce qui a été fait, hein, parce que bon, y a quand même des acquis. Et après, être conseillé par technicien plus spécialisé. Bon, après, dans la logique des choses, il n'y a pas besoin de beaucoup de connaissances pour savoir gérer un arbre non plus. Le tout, c'est de mettre le temps.